Bonjour, je suis Marie-Hélène Fasquelle, j'enseigne l'anglais et la littérature au lycée international Nelson Mandela à Nantes. J'ai enseigné pendant de nombreuses années en BTS tertiaire jusqu'à l'an dernier et régulièrement testé nos séquences et tâches auprès de mes étudiants. Je vais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, le numérique tel qu'il a été imaginé pour Make It Pro. En effet, le numérique est largement utilisé dans notre ouvrage, qui a pour objectif d'être le plus complet et le plus diversifié possible. L'équipe des auteurs est convaincue de la pertinence et de la valeur ajoutée des TIS. C'est pourquoi les tâches finales et intermédiaires s'appuient systématiquement sur le numérique afin de permettre aux étudiants de progresser en s'investissant davantage dans des activités motivantes. Je vous propose de découvrir ensemble quelques particularités de notre manuel. Tout d'abord, les tâches finales et intermédiaires sont systématiquement actionnelles, numériques, créatives et motivantes. Pour exemple, l'étudiant aura l'opportunité de créer son propre podcast et de le mettre en ligne, ou d'envoyer le fichier son à son professeur. Il pourra également réaliser des présentations à l'aide de PowerPoint, de Prezi ou de tout autre logiciel ou site en ligne adapté. L'équipe d'auteurs a proposé des tâches qu'ils ont testées avec leurs étudiants et qui ont très bien fonctionné en classe. De plus, des sites de référence sont mentionnés dans chaque chapitre. En outre, une fiche annexe propose des outils numériques afin d'aider l'étudiant à aller plus loin en autonomie grâce au numérique. En conclusion, le manuel regorge d'activités qui peuvent être mises en place avec les équipements multimédia dont l'établissement dispose ou à la maison selon le choix, les disponibilités, les possibilités, le temps de l'enseignant.